les frérots, tu vois ce que voilà. Y a quoi? Mais c'est papa qui est encore allé s'asseoir à la cuisine là où maman prépare donc. Encore lui, chaque jour. Mais parce que maman prépare le poulet du nyongo, quand il maman prépare le série passe ou voilà. Papa, oh, il sort de la cuisine. Pourquoi quand maman prépare, tu comptes les morceaux de viande? Papa, oh, sort de la cuisine. Pourquoi quand maman prépare, tu comptes les morceaux de viande? Papa, oh, il sort de la cuisine. Pourquoi quand maman prépare, tu comptes les morceaux de viande? Papa, oh, sort de la cuisine. Pourquoi quand maman prépare, tu comptes les morceaux de viande? Chaque jour c'est pareil, faut qu'on lui tire les oreilles. Les autres papas vont au boulot, mais toi tu joues les bourreaux. Tu comptes les noyaux, les têtes de maquero. Quand on porte les cornes, tu dépasses les bornes. Inspecteur Fouchette dépasse inspecteur Cadette. Inspecteur il passe un bon, menace même Colombo. Tout ça pourquoi? À cause d'une dorbitisme. Papa sort de la cuisine. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça va dire quoi? Toto, Dinassi et Toto aussi sont en train de chasser la bête. Qu'est-ce que leur père a fait, hein? Elle disait que la bête, c'est un homme. Ah, qui a cet homme? Les hommes travaillent au champ, au village, ils restent à la cuisine, souillés. Papa, oh, il sort de la cuisine. Pourquoi quand maman prépare, tu comptes les morceaux de viande? Papa, oh, sort de la cuisine. Pourquoi quand maman prépare, tu comptes les morceaux de viande? Papa, oh. Pourquoi quand maman prépare, tu comptes les morceaux de viande? Papa, oh, sort de la cuisine. Pourquoi quand maman prépare, tu comptes les morceaux de viande? Fabien Durup, mon ami personnel.